Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce match en compagnie de Pierre Ménès. Salut Pierre. Salut Hervé. Aujourd'hui, vous l'avez compris, il va falloir composer avec la pluie. Attention au ballon, ça va fuser. Cette équipe va évoluer à domicile aujourd'hui. Qu'attendez-vous d'elle, Pierre ? Si vous voulez mon avis, c'est pas un hasard si on retrouve cette équipe en tête du championnat à ce moment de la saison. Je les verrais même champions, moi, tiens. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire. Voici donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. Et on va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. L'équipe qui reste sur un match nul à l'extérieur. Un nul sur le score de 1-1, mais je pense que les joueurs sont capables de s'imposer dans ce match. Voilà le coup d'envoi de cette rencontre. Martinez. Allez, il y a du monde pour reprendre. Oh, il y est ! Oh, le premier but dans cette rencontre ! Une rencontre qui démarre à fond ! C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Et voilà un but qui consolide la place de leader qu'occupait cette équipe au classement avant le début du match. On peut dire que le titre se rapproche de plus en plus. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Rafidine Abdullah. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Ah, ça sera officiel dans quelques minutes. On peut dire que cette équipe va être sacrée championne à la fin de ce match. Le gardien qui repousse, attention! Attention au relâchement coupable. Le public attend plus de sérieux de la part de ses joueurs. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Il n'a pas pris de risque. Corner. Alors, comme vous pouvez le constater, il pleut. Attention aux prises de balles pour les gardiens. Il faudra peut-être jouer la sécurité, notamment sur les frappes de loin. Le corner en direction du point de pénalty. Un gardien qui préfère écarter. Oui, la frappe. Allez, ils vont jouer la touche. Martinez. Il prend sa chance. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Le dégagement pour éloigner le danger. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Martinez.
Ouais, peut-être une situation intéressante là. Il va pouvoir adresser un centre. Ouais, la frappe de loin. Oh, sacrée frappe! Elle passe pas loin du cadre, hein. Non, non, ça passe même tout près. Rafidine Abdullah. Oh, c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui. La frappe. Allez, le plongeon là pour les photographes, même si c'est vrai quand même le danger était réel. Ouais, enfin ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Le gardien qui préfère boxer ce corner. Allez, le centre maintenant. Le centre, mais non, il est contré. Ouais, sans doute une mauvaise. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option, hein, parce que le jeu, c'était pas là. Martinez. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Ah oui, le bon ballon là. L'arbitre indique le poteau de corner. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. C'est une touche bien placée. Allez, faut centrer vite. Il tacle. Oh, la mauvaise passe. Il n'a pas regardé où il la mettait. Allez, le centre maintenant. Eh oui, corner. Opportunité d'aller mettre ce ballon dans la surface. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Attention, le corner. Le gardien qui boxe le ballon. C'est bien fait. Beaucoup d'espace devant. C'est quand même étonnant ce qu'on voit, une équipe qui ne se livre pas du tout. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Un duel pour la récupération du ballon. Gerbé avec un tir. Oh, le tir qui vient raser le montant. C'était pas mal fait du tout, ça. Ça aurait peut-être mérité un meilleur sort. Rafidine Abdullah. Attention, il a du champ devant lui. La voilà la frappe. Ouais, ça passe largement au-dessus du but. C'est même au-dessus du stade. Bonne anticipation sur cette passe. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Paul est le défenseur qui sauve son équipe. Moi, j'ai cru qu'il y avait but, non. Ça a failli rentrer. Heureusement qu'il y a eu le bon réflexe pour éviter ce but. Finalement, ils perdent ce ballon.
Attention, ça peut être dangereux. Il s'entreverse ses partenaires. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. La passe est interceptée. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Perbé. En profondeur, oui, bien. Vu. Ouais, manquait peut-être de conviction cette attaque. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Le tir, c'est contré par le défenseur, dommage. Alors c'est une chose assez rare à laquelle on va assister. 3 changements simultanés. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Allez, encore un corner. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Ah, c'est pas mal parti pour cette équipe. J'ai l'impression que les supporters s'apprêtent à vivre les 45 minutes les plus longues de la saison. Bon, Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 premières minutes. Hein. C'est grâce à lui, son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Voilà le coup d'envoi de cette rencontre. Il y a du monde pour reprendre. Oh, il y est ! Oh, le premier but dans... Les joueurs qui retrouvent la pluie pour la seconde période. Avec une pelouse qui risque d'être de plus en plus glissante et des trajectoires de ballon qui vont être affectées, c'est sûr. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Une fausse alerte, finalement. Ouais, c'était dangereux, mais la défense, c'est le tir. On n'a pas de quoi inquiéter le gardien. Non, il a voulu jouer en finesse, mais c'est complètement raté, en fait. On rappelle que cette équipe est virtuellement championne pour le moment. Oui, ça doit peut-être déjà trotter dans la tête des joueurs, mais enfin, il va falloir rester concentré jusqu'au bout. L'arbitre qui avait une faute dans la surface et oui, c'est un pénalty. Avertissement sans frais, finalement, il s'en sort bien. Si tu veux mon avis, l'arbitre a dû être extrêmement clair avec lui. On ne s'est pas posé de questions sur ce pénalty. Et le but qui conforte la place de cette équipe au classement. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Un sourire à l'entraîneur et c'est normal, son équipe joue bien, elle mène largement la marque maintenant. 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Ah, la bonne qualité de ses passes. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien.
Il récupère dans la moitié adverse. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Ah, cette tête ne sera pas cadrée. Il lui a manqué quelques centimètres. Les joueurs qui se passent le ballon dans leur camp, tranquillement. Oh oui, encore une bonne passe. On voit que l'équipe a décidé de faire bloc devant son but. Un joli petit numéro de tiki-taka. Il récupère le ballon sur cette interception. Ah oui, c'est bien fait ça. Attention à cette bonne passe en profondeur. Oh, ça y est, le danger qui s'éloigne. Oh, la défense a eu chaud. Ah non, le ballon est perdu. Ah, bien joué, il a fait l'effort là-dessus. L'adversaire qui hérite de ce ballon. Oh, que c'est bien donné ça. Sans danger pour l'adversaire. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ils sont nombreux, il faut pas gâcher ce ballon. Ah, ça ne passe pas. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. C'est dans le paquet. Il place une tête imparable. Ouais, les appuis sont bons. La détente est bonne, il y a de la précision dans le geste. Et cette superbe tête qui finit au fond des filets. Voilà, un but qui vient un peu plus conforter cette équipe. Elle est plus que jamais en route vers le titre. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Rafidine Abdullah. Non, non, ça ne passe pas. Dejan Yeager. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Le ballon, le tir. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ah, le sauveur était là. Oui, attention. Ah, mais on peut dire que ça a été chaud hein, pour la défense. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Ah, bonne sortie du gardien. Ouais, ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Ils n'ont pas vu le jour hein, dans ce match. Ils ont réussi à stabiliser le score. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont plus pris de but, mais jamais ils n'ont pu inquiéter leur adversaire. Rafidine Abdullah. Il est dépossédé du ballon. 8 minutes, hein, c'est le temps qui reste à jouer. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau.
choisit la frappe. Non, c'est contré. Un nouveau joueur va faire son entrée sur la pelouse. Ouais, l'entraîneur qui préfère injecter du sang frais à ce moment du match. Ouais, impossible de prendre le gardien à défaut à cette distance. Les trois dernières minutes de ce match, on y est. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Avec un tir. Et le but! Tire à bout pourtant sur lequel le gardien ne peut évidemment rien faire. Et ce but qui vient comme un véritable bol d'air pour cette équipe. Ah, le titre n'a jamais été aussi proche, ils y sont presque. Ah, c'est probablement le coup de massue, ils ne pourront pas revenir. Le favori qui a répondu présent avant ce match. De belle manière, faut le reconnaître. Tout va paraître encore un peu plus facile maintenant. Alors que vous découvrez le temps additionnel, décompté 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Il s'avance vers la surface. Le centre à destination de ses partenaires. Oh, ça va être dedans! C'est un but anecdotique, hein, au vu du score et du temps qu'il reste à jouer dans ce match. Et ça fait maintenant un score de 4 buts à 1. Un but qui ne changera pas l'issue de ce match. Enfin bon, il a le mérite d'exister. C'est trop tard pour eux, mais enfin, c'est toujours bien de pouvoir marquer, même quand on est largement dominé. Allez, ça y est, c'est terminé. Ils l'ont fait, ils sont champions. Ça a été long, ça a été dur par moments. Mais la récompense est là. Et ils vont pouvoir tomber dans les bras les uns des autres, se congratuler. Ouais, là, il y a de la joie et du soulagement. Et puis, comme ça, comme il reste encore un match à la maison, eh ben, ils vont pouvoir fêter ça avec tout leur public. Ça, c'est sympa. Il y aura un match sympa à jouer, en toute décontraction, certainement un beau spectacle, une remise de trophée. Ce sera formidable, le dernier match. Que du plaisir à prendre. Allez, il y a du monde pour reprendre. Oh, il y est! Oh, le premier but dans cette rencontre! Une rencontre qui démarre à fond! C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son... Ah oui, le bon ballon, là! L'arbitre indique le poteau de corner. Elle ne s'est pas posé de questions sur ce pénalty. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Ah, cette tête ne sera pas cadrée. Il lui a manqué quelques centimètres. C'est dans le paquet. Il place une tête imparable. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Avec un tir. Et le but! Il s'avance vers la surface. Le centre à destination de ses partenaires. Oh, ça va être dedans! C'est un but anecdotique, hein, au vu du score et du temps qu'il reste à jouer dans ce match.